faut que j'étais de ça. Hey, donc je disais, me revoilà, oui, en fait, c'est que, enfin, comme là, je suis dans ma période de partiel, tous mes cours, enfin, pas tous, mais certains, je les enregistre et je les écoute en boucle, voilà, quand je suis là pour ranger ou quoi. Donc, c'était ma voix que vous entendez derrière de mon cours. Enfin, bref, passons, c'était pas intéressant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis trop contente, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu mon nouveau meuble et je suis trop trop contente. Donc, il va aller ici, voilà, à la place de celui-là, voilà, il va faire toute la hauteur et il va aller juste ici. Et donc, vous vous en doutez, avant de le mettre, c'est très simple, il va falloir que je vide toute cette partie-là, voilà, pour pouvoir tout simplement l'installer. Donc il va falloir que je vide tout ça. Et donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, pour vider tout, vider entièrement le meuble, parce que c'était juste un tiroir que j'avais pas vidé. Voilà, que je vais vider maintenant. Et voilà, prêt à recevoir le meuble et à le monter. Enfin, c'est pas moi qui vais le monter. C'est plus mon père qui va le monter parce que moi j'ai pas les capacités de bricolage, même si j'aimerais bien. Peut-être que je l'aiderai, on verra. En tout cas, voilà, c'est parti. J'ai fini de tout vider, voilà, c'était pas trop long, mais voilà, maintenant c'est prêt à être enlevé. Et d'ailleurs, il faudra que j'enlève l'étagère, faudra que je dévisse ça. Et après, enlever le meuble, donc, qui est très très lourd, donc je vais pas le porter, voilà, on le portera avec mon papa. Et bah, pour l'enlever et mettre l'autre meuble, j'avoue que je suis un peu, comment dire, enfin, genre j'aime pas me débarrasser des choses, je suis quelqu'un qui aime bien garder les choses, donc là, me débarrasser de ce petit meuble, enfin, un petit, il est quand même assez imposant, enfin, c'est plutôt une commode d'ailleurs. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'a, on l'avait repeint aussi pour moi, donc ça me fait un petit pincement au cœur quand même. Voilà. Bon, ok, j'avais oublié que j'avais une vidéo à filmer, donc j'ai dû pousser tout ce que j'avais mis sur la table, c'est un peu le chantier. Mais bon, voilà, j'avais une vidéo à filmer, en plus c'était une vidéo assez cool, donc je l'ai filmée. Maintenant je vais pouvoir ranger ce qu'il y a sur la table, voilà, c'est des lots pour un concours que j'ai fait il y a longtemps quand vous verrez cette vidéo. Et re-ranger en fait, voilà, c'est pas très logique ce que j'aurais dû faire l'inverse. Mais bon, c'est comme ça, c'était fait, donc voilà, c'est reparti pour ranger ce bazar, parce que là c'est vraiment un bazar. Donc là on est le 14 décembre et mon papa vient d'installer ça. Donc en fait c'est du bois. Ouais voilà, c'est du bois. Je sais pas ce que je peux dire de plus. En fait c'est pour mettre derrière parce que comme vous avez vu c'est pas très bien isolé. Donc en bas ça va un peu moisi. Voilà, donc on a mis ça comme ça protège derrière. Voilà, il s'est bien amusé. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre le meuble. On dirait que c'est hyper grand là sans le meuble. Mais du coup après ça va être bien rempli vu que le meuble va prendre vraiment tout l'espace. C'est un 3 portes, voilà, mais j'ai trop hâte qu'il soit installé. En tout cas ça avance bien donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de voir ce que ça rend. Voilà, donc je vous vlog tout ça, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de faire ce vlog en fait, donc voilà. Thank you.
1h30, ça fait une heure et demie plutôt, qu'on est en train de monter ce meuble. Bon, comme vous avez pu voir, moi je donnais juste les vis ou quoi, hein, j'ai pas monté trop le truc. C'est plus, pardon, c'est mon père qui l'a fait, donc voilà à quoi ça ressemble. Et à côté, il y a le petit bureau qui sera là, qui va pas bouger. Donc voilà, il y a trois petits tiroirs ici. Voilà. Ils sont durs à mettre, c'est bizarre. Ensuite, ici, il y a des étagères comme ça. Hop. Donc là, il y a un petit miroir, voilà. On voit le bazar derrière. Et à l'intérieur, normalement, ici, c'est une penderie. Enfin, j'essaye de vous cadrer ça, mais il est tellement immense, j'arrive pas à vous le montrer. Donc là, là-bas, c'est une penderie, sauf que mon père va mettre des étagères. Parce que, oui, c'est un dressing de base, mais moi, ben, ce sera pas pour des vêtements. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Hop, on referme ça. Donc voilà, j'essaie de vous montrer dans une vue globale, mais c'est pas évident parce qu'il est vraiment vraiment grand. Vous voyez, il prend vraiment toute la largeur et la hauteur, c'est vraiment ce qu'on voulait. Voilà, donc pour cette avancée des travaux, c'est quand même une bonne chose de faite. Voilà, il y a quelques petits réglages encore à faire et les étagères à mettre, mais c'est déjà une belle chose de faite. Ça va bientôt commencer à ranger tout ce bazar parce que du coup, ouais, tout est là. Mais il va falloir commencer à ranger. Mais c'est tout pour ce soir. Donc on se retrouve bah, tout de suite pour vous et pour moi, je ne sais pas quand, pour la suite de ce donc je viens d'aller acheter des petits rangements, des rangements pour mettre dans ce placard, dans ce meuble, voilà. J'ai encore les cheveux mouillés, donc voilà, faites pas attention parce que je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça. J'ai mis mes petites mitaines aussi parce qu'il fait pas trop chaud ici. J'ai allumé le chauffage, mais voilà. Donc j'ai été chercher des petits rangements pour mettre dans le placard. Et donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça se trouve ici. Donc déjà j'ai repris un truc comme ça à tiroir. Voilà, donc il y a trois tiroirs. J'ai pris des petites paniettes comme ça pour mettre dans des tiroirs. Il y a ensuite ce rangement. Donc normalement c'est un rangement à maquillage comme vous pouvez voir. Mais je trouvais assez pratique pour ranger plein de petites choses. En dessous il y a trois grosses boîtes en plastique. Enfin, il y a cette petite boîte. Comme ça, je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupéré. Voilà, je l'ai récupéré simplement. Et ici, il y a 4 boîtes de rangement comme ceci. Donc voilà, j'ai trouvé toutes ces boîtes de rangement pas très chères. Donc elles ne sont pas forcément très esthétiques, bon, à part elle qui est super jolie. Mais je l'ai récupéré. Mais je vais bien sûr les customiser un petit peu pour que ça soit un peu plus joli. Mais le but, c'est quand même que ça soit rangé. Et je me dis que dans le placard, de toute façon, on ne verra pas. Donc c'est pas très 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 grave. Donc le point final de ce vlog, donc déjà le meuble est monté, il reste plus qu'à mettre les étagères à l'intérieur, voilà, donc elles sont pas encore montées, je ne sais pas comment mon père fera ça, mais déjà il faut découper les planches etc. pour les mettre, donc c'est pour ça qu'il a laissé son matériel de bricolage pour finir ça. Ensuite j'ai acheté des nouveaux rangements, la position, la bureau et étage et meuble, ça restera comme ça. Ensuite concernant ici, bah, ça n'a pas trop bougé, c'est encore assez le bazar j'ai envie de dire, puisque bah, faut ranger tout simplement. Le bureau est dans sa sacrée état, il va falloir que je range ça. Voilà les poubelles, etc. Voilà pour le petit room tour bilan de ce vlog. Ah oui, et aussi entre le meuble et le bureau de ma soeur, les seules choses que je vais rester là, c'est tout simplement les deux sets de 4 comme ça et cette... pochette où il y a tous mes fonds de vidéos, donc vous savez les feuilles de couleur unies, voilà pour mes fonds de vidéos, ben, je vais les laisser là parce que c'est quand même bien pratique. Je vais clôturer ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésite pas à liker si c'est le cas. Voilà, je vais arrêter ce vlog et en commencer un nouveau en fait tout simplement. Comme je vous l'ai dit, vous allez être pas mal servi de niveau vlog de rangement, donc là c'était un peu les deux les moins intéressants j'ai envie de dire, puisque c'était le premier j'enlevais les premières étapes quoi du rangement, les moins fun, et après bah, c'était le montage du meuble, les rangements etc. Donc bon, c'était pas le plus fun en soi, mais les prochains vlogs qui arrivent vont être super cool puisque là je vais commencer à m'attaquer au vrai rangement, donc j'ai trop hâte de vous les montrer. J'espère néanmoins que cela vous motive à ranger etc. Donc moi je vais continuer le rangement tranquillement et on se retrouve donc très bientôt pour la suite du pour le prochain vlog et la suite du rangement. Yeah.